Bien. Bonjour à tous, c'est MadSolidSnake44. Bon, je vous reprends vraiment juste après la fin de ma première partie, là. Il y a mon logiciel de son qui va pas tarder à me faire chier s'il continue de ramer comme ça. J'espère qu'il va rien faire foirer. Donc apparemment, on a terminé le premier niveau avec 59% de complétion, quand même. Donc c'est pas si mal que ça, on va pas le refaire juste pour ça. Hein. Premier bilan à chaud, puisque j'en ai pas fait un lors de ma précédente partie. Je continue pour en voir un petit peu plus. La première grosse demi-heure, on va dire, quels sont les points positifs? Esthétiquement, c'est très joli. Techniquement parlant, j'ai pas grand chose à redire, mis à part les petits scintillements. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage du jeu. Au niveau du gameplay, c'est très bourrin, mais aussi... alors, il y a un côté technique quand même. Hein. Les combats ont l'air de devenir... quand il y a plus d'ennemis, ça devient chaud de gérer les deux côtés en même temps. Je pense pas à parer à utiliser toutes les techniques qu'on m'apprend aussi, c'est de ma faute, bien sûr. C'est là aussi qu'on voit tout de suite que c'est pas le genre de jeu qui est fait pour moi. Enfin, je manque un peu d'entraînement, je dis ça là, mais je pense qu'en m'y mettant bien, ça finirait par arriver. Hein. Mais voilà, c'est les jeux basés sur le scoring comme ça, des combats purs, c'est pas trop mon trip. Voilà. C'est pour ça aussi que je pense pas que je vais réussir à aller très loin dans ce jeu, mais j'ai envie d'en voir un petit peu plus, voilà, et puis j'estime qu'une partie pour une vidéo découverte, c'est pas suffisant, j'ai pas envie de passer pour un grincheux non plus, qui a pas voulu faire l'effort de se plonger dans le jeu, donc on va se donner au moins une deuxième partie, pas pour donner une deuxième chance au jeu, parce que j'ai pas détesté non plus ce que j'ai fait précédemment, mais c'est juste que, voilà, je prends pas vraiment mon pied à faire ce que je fais. Par contre, je surkiffe l'OST. Franchement, elle mériterait de... Ouais, ça pourrait être l'OST d'un grand RPG occidental, quoi. C'est... Enfin, je sais pas, moi, il faut que... Elle est disponible sur le PlayStation Store. Je me demande si je vais pas l'acheter. Hein. Quitte à se faire couillonner encore un peu plus... Non, je me suis pas fait couillonner, mais j'ai dépensé de l'argent dans un jeu qui, au final, risque de pas me plaire, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et là-dessus, comme je vous l'ai dit dans ma précédente partie, il faut que je modère un petit peu mes envies de curiosité. Voilà, mais bon, c'était le petit jeu que je voulais vous présenter le mois dernier. Au final, exclusivité PlayStation 4, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, au fait... Au final, c'est ce mois-ci que je vous la présente. Putain, mais on va le poursuivre jusqu'où, l'autre enfoiros, là? En plus, c'est piégé, son espèce d'antre. Il pisse le sang, mais il crève pas. Ah d'accord, ça y est, on commence à m'attaquer par derrière. Putain, mais... D'accord, ça marche aussi comme ça, c'est pas que pour tuer les orbes, quoi. Putain. Je pensais pas qu'il allait en arriver d'autres encore. Putain de saloperie. Oula. Ouais, super, bien joué. Merde. Bah ouais, mais il recrache juste après, l'enfoiré.
Putain, mais on va où là? Il fait tout noir encore. Voilà, bah là, s'il y a un truc à voir, je le trouverai pas, hein, parce que... Putain, parce que j'ai horreur de ça. Il fait noir, bordel. Voilà. Voilà, on s'est scratché comme une grosse merde. On sait pas où. Pourquoi? Parce que je savais pas du tout où je devais aller. Résultat, j'ai essayé de sauter vers l'arrière. Comme ça, on tombe dans le vide. C'est génial. Excusez-moi, je suis pas forcément spécialement de mauvaise humeur, mais je n'aime pas mourir dans ces conditions. Sous prétexte qu'on comprend pas ce qu'il faut faire, qu'on comprend pas où on doit aller, c'est le genre de choses qui me saoule. Voilà, je n'aime pas ça. Je n'aime pas mourir parce que je n'ai pas compris. Ok, donc en plus on recommence ici. Bon, c'est quoi ça? Fureur. Très bien. Oh là là. C'est chaud quand même. On sait pas où on va. On se blesse sûrement en chutant, mais c'est pas grave. De toute façon, je comprends même pas comment on pouvait faire pour descendre. Je sais pas si ça vient de moi aujourd'hui, là, ou si... s'il y a quand même un petit souci dans le jeu. Ce passage qui est un peu bizarre. Oui, bon, on a vu qu'il y a quelque chose qui nous suivait derrière. Ok, j'ai compris. Attendez, c'est une blague là. Ouais, je crois qu'il va falloir fuir. Hein? Ah merde. Ah c'est con, je pensais qu'on allait être poursuivi par un espèce de truc géant là. Et en fait, non, c'est pas un boss le machin. Tant pis. J'ai rien dit. Quoi encore? Putain, mais hey, c'est abusé, j'ai paré là! Ça marche mieux toujours de bloquer. Hein. Parce que la parade, elle doit sûrement se faire ouais, à un moment extrêmement précis. Oh bah oui, super. Putain, je lui ai coupé un bras. Ouais, c'est bon, il est mort. Non, mais ça demande du skill, hein, c'est sûr, c'est juste que j'ai pas encore pris le coup, quoi. J'insinue pas du tout que le jeu est pourri, hein, c'est pas ça, c'est... Comme je l'ai dit, c'est pas mon truc, donc je continuerai sur... Là, c'est... Par contre, ouais, j'adore, quoi. Là, c'est super sympa, regardez derrière, là. On joue avec les effets d'ombre et de lumière. Il y a du travail, hein, au niveau artistique... C'est certain. Ça, c'est hyper sympa, par contre. J'adore l'esthétisme. On pourrait peut-être essayer de continuer juste pour voir ça. Là. Espèce de berceau de bébé, ça. Ça y ressemble. Ah, il y a un cœur en bas, là. Est-ce que je vais le chercher? Allez.
est hyper balèze quand même. Je sais pas si on peut monter. Merde. On peut pas là? Ah si, on peut. Ah, on peut pas aller juste au-dessus là. Je pensais qu'on pouvait y aller, mais. Alors. Allez, bon. Si, je vais pouvoir y aller quand même. Allez, on peut. Bien vu. Hop là. Il y a quand même quelques petites phases de plateforme. Ça change des combats avec des trucs à récupérer, donc faut un petit peu de skill aussi pour la plateforme. Attendez, il y avait un truc de sang encore en bas. Oh putain, je me suis éclaté comme une merde. J'ai voulu essayer de redescendre, mais il chute comme une pierre le machin. Est-ce qu'on perd tout ce qu'on a acquis ou pas? J'ai l'impression parce que c'est marqué 100 max alors que j'étais déjà 100 max. Mais putain! Non mais c'est une blague ou quoi? Je vais pas demander de retourner vers l'arrière. Pourquoi je suis retombé? J'ai dû faire une roulade vers l'arrière sans faire exprès. Ah et putain, on change vraiment d'esthétique très rapidement. Là, on est encore dans un autre délire. Laissez-vous glisser en appuyant. Briser le saut. Bouclier de l'onde. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de petites mécaniques de gameplay à apprendre aussi, et comme je suis pas trop dans le truc, je vais rien retenir quoi. Mais... Bah ouais, mais attends, mais t'as vu les chutes qu'on fait aussi à chaque fois quoi. Ou alors il fallait que j'appuie sur X encore pour me retenir au mur. D'accord, on a réactivé l'espèce d'œil qui était en haut là. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, je pense que je vais quand même arrêter au bout de cette deuxième partie parce que malgré le fait que je voulais vraiment découvrir ce jeu, j'ai pas envie non plus de passer trop de temps dessus à ronchonner. Donc comme c'est pas mon kiff, c'est pas la peine que je passe des plombes dessus juste pour... J'ai pas vu ce que j'ai fait là, j'ai pas fait gaffe. S'il faut que je redescende, ça va me saouler. Voilà. C'était peut-être pas la peine de toucher au deuxième. J'ai testé, c'est ce que je voulais voir. Et voilà, je suis allé au bout de ma démarche. J'aurais peut-être pu faire plus d'efforts... Pour m'intéresser au gameplay, mais je sens que... Merde, j'ai failli tomber. Je sens que c'est pas mon kiff, donc... Moi j'ai tellement de jeux en retard, en fait. Ça me fait chier parce que j'aime... Je me répète, mais j'aime beaucoup l'ambiance et la réalisation artistique, donc... Ça me fait chier de m'arrêter. Peut-être, comme je l'ai dit, il y a... Et quelques minutes que je continuerai juste pour voir. Encore des nouvelles mécaniques là. Une espèce de téléporteur. Ah c'est classe. Putain le cul.
Apparemment, c'est limité dans le temps, ça. Non, on peut pas monter par là, d'accord. Non, je vérifie. Alors, ah oui, d'accord. C'est un espèce de mur. Donc ça, c'est pour le mur qui est là-bas. Ah d'accord. Ouais, faut attendre maintenant. Bon. Oui, je disais, comme j'ai pas mal de jeux en cours, je sais que j'ai tort d'en commencer d'autres comme ça, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Et puis ça fait partie de mes programmes aussi. Mais en ce moment je fais trop de vidéos. Je veux dire, je passe beaucoup plus de temps à faire des vidéos comme ça, à jouer pour vous faire des vidéos qu'à jouer tout court pour le plaisir de jouer. C'est peut-être aussi pour ça que cet été, que en plus du fait que je vais travailler. Que je vais avoir moins de temps pour faire de vidéos, que je voulais vous faire une pause aussi, histoire de prendre le temps, voilà, de recommencer à jouer calmement pour finir tous les trucs que j'ai en retard. Ça va me changer un petit peu et me faire du bien. Hop, alors... Oh putain, j'hallucine, je l'ai dans le cul, va falloir que je refasse tout le tour, c'est une blague? Ah bah non. Non, c'est bon. Ah bah si, va falloir que je refasse tout le tour, mais Non mais c'est injouable! Allez, vite! Allez! Oh putain! J'ai eu chaud au cul quand même! D'accord. Lui, il manie les boules de feu. Ok, bon, c'était une tarlouse. Ils essayent de nous la faire, nouveau type d'ennemi et tout. Parade, une baffe, hop, il est mort. J'ai pas compris le délire. Il y en a un autre là-bas en plus, tiens. Hey, pour un petit jeu, ils sont vachement appliqués quand même au niveau de la réalisation. Enfin, c'est pas parce que c'est un petit jeu qu'il faut pas s'appliquer, mais c'est qu'il y a beaucoup de petites productions qui ne bénéficient pas d'un tel traitement, je veux dire. C'est pas parce que on est, enfin, vous allez me dire, ouais, c'est une exclusivité, d'accord, mais c'est pas une raison. Il y a des petits jeux qui sont parfois exclusifs aussi, qui ne sont pas aussi bien réalisés au niveau des graphismes et tout. On aurait pu aller directement par là tout à l'heure. C'est une blague ou quoi? Donc il n'y a rien d'autre par là. La musique est beaucoup plus soft et calme hein, dans cette partie, j'ai l'impression. Pas... je dirais pas moins bonne, mais... j'ai l'impression que c'est surtout le thème du menu qui est marquant.
Donc ici il y avait un orbe, j'étais pas venu. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Espoir perdu. Hop là. Hop, ok. Ça va, les sous, je commence à maîtriser. Ah, un petit levier. Ah, encore un truc téléguidé. Oh putain. Ah, je me rappelle plus du passage là. Ah putain, ouais, faut passer par en haut. Ah, laisse tomber, je vais pas l'avoir là. Ouais, c'est par là après. Ah non, mais là je l'aurai pas. Allez, qu'est-ce que tu fais? Ah si, c'est bon. Oh putain, ouais. Il a pas besoin de se presser presque. Ah d'accord, on peut pas y aller en le bourrinant quand même. Mais merde, il se retourne aussi, c'est trop sensible, je fais même pas exprès de lui tourner de dos. Oh, quelle connerie. J'ai jamais réussi à refaire depuis le début l'espèce de grosse attaque. Oh l'enculé, mais comment il m'attaque là? En traître! Foiré! Tiens! Celle-là, par contre, je l'ai bien comprise. C'est pas très loyal, ça. Oh la vache. Ah, le salaud. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ça, j'ai pas compris ces histoires d'âmes innocentes dévorées. Les vers, c'est des fourbes. Ils changent de côté dès qu'on les frappe. À la limite, celui avec la boule orange, c'est pas le pire. J'ai pas le temps d'appuyer. Après une touche pour sprinter sans déconner. Mais hé. Je l'avais oublié. Ah là, mais j'ai pas le temps de rappuyer sur R1, il est trop proche. C'est bon là? Ça me rappelle Batman Arkham, je commence à avoir mal à la main. Force de bourriner là, sur carré et triangle. Ah putain, ça c'était du combat. Je me rappelle de mon let's play sur le DLC avec Bad Girl en famille. Putain, je m'étais éclaté le pouce sur les combats finaux.
Dégage. Bon, c'est sûr que si vous appuyez au bon moment, ils font pas du tout le poids. La santé. Ok. Oh putain, quel con. Je vais mourir. Ah bah oui. On voit pas du tout où on va. J'ai l'impression qu'on peut ressusciter à l'infini. Mais ça doit jouer sur notre sur nos stats ou sur le tableau final. Et on est encore au pied d'un espèce de colosse là. Tout à l'heure on avait vu un espèce de squelette géant qui ça avait l'air pas mal mais. Enfin, voilà les gros cons là. Allez, espèce de chien. Ah ouais, vous êtes comme ça. Et il est passé où le patron qu'on filait tout à l'heure là, parce que il doit être vachement loin maintenant. Je pensais pas qu'on pourrait monter jusqu'ici, mais si. Ça se trouve, on peut même aller encore plus loin. Là, ça se trouve, il y a plein d'endroits à débloquer, de trucs à débloquer comme ça. Il faut vraiment. Ouais, il faudrait prendre le temps de tout fouiller et tout, quoi, voilà. Je sais pas pourquoi il arrête pas de rouler comme un gland. Ah, je me rappelle plus s'il y avait quelque chose en bas ou pas du coup. C'est par là que je viens? Je sais même plus d'où je viens. Non. Voilà. Hop, hop, hop. Il y avait rien ici, non? Voilà, à tous les coups, il y avait rien en plus. Je suis revenu pour que dalle. Pas grave, on fera une petite coupure au montage. De toute façon, on arrive bientôt vers la fin de la vidéo. Hein. Il est déjà 30. Presque. Oula, putain le coup. Le passage secret, tu parles. C'était le chemin obligatoire. Quel con. Hop, allez. Bon. Non, bah, je pense que pour les joueurs qui sont amateurs de ce genre-là, voilà, et qui aiment les jeux avec où il faut un petit peu de skill, enchaîner les combos et tout, ça peut être un petit jeu hyper sympa. Moi, je vous le conseille quand même, même si je suis pas forcément amateur du truc. Moi, je le retiens surtout pour... je le retiens surtout pour son esthétisme que j'aime beaucoup. Et son OST. Et son OST que je trouve très bon. Voilà. Oh, regardez, là encore, il y a quelque chose, quoi. Techniquement, c'est pas énorme, mais. Tu peux toujours courir. Non merci, je suis pas trop fan. Pas me faire draguer par une femme libellule. C'est moi la bête. Ou pas.
enculé. Si vous aimez le gore aussi, moi qui sors de Doom. Oh putain, mais quel con, il lui saute dessus. À mon avis, c'est le combat final de ce niveau-là. Je pense pas assez à défendre, je pense qu'à attaquer, ce qui fait que bah, je me prends des coups et parfois je pourrais mourir connement. Ah mais non, il nous manque un boss. On n'a pas eu de boss. Eh mais ça va bien faire là. On va le buter cet enfoiré ou pas là? Ah, peut-être le boss. Coucou. On parle pas la même langue, ma fille. C'est gentil de nous mettre des sous-titres, mais... Alors, pour ceux qui parlent la femme libellule, qui savent le lire, au moins, on a des sous-titres. Voilà, pour les malentendants. Elle va nous cracher un truc qui vient de son utérus. D'accord. Ah oui, bon, déjà... Et voilà, c'est bon. Ah, le con. Je sais pas pourquoi je lui ai sauté dessus. J'avais bien vu que c'était un mec avec la boule encore en plus. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ouais, bon, on s'en fout des âmes innocentes, on n'a même pas compris ce que c'était. Tiens. Dégage, salope. Ah, elle m'envoie des stalactites sur la tronche, d'accord. Allez, petit pote. Quoi ces attaques à l'autre là? Ah ouais d'accord, elle peut me toucher des deux côtés. Ah c'est pas mal, c'est un petit peu technique. Chier. On peut pas la toucher n'importe quand. On peut la toucher que par intermittence, lors de phases où il y a une espèce d'action contextuelle. Même si elle s'affiche pas. C'est qu'à des moments bien précis, ça se voit. Apparemment, je peux appuyer que sur carré. Putain, prends ça dans ta gueule. Je peux pas me soigner par contre.
faut garder la cadence, mais c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah non, c'est un cadavre. Ok, elle va rappeler ses potes. Ah, il y en a un avec la boule, donc c'est chiant parce que elle arrête pas d'envoyer des stalactites en même temps. Je crois que je l'ai eu. Dites pas que c'est un second boss. Ah non, c'est un copain. Ah, c'était peut-être une dryade? Je sais pas. Je suis pas assez calé en mythologie, par contre, plomb, là, ouais, j'ai dû jouer comme une bille. Ok, calculer... Bon, bah écoutez, c'était sympa, ce deuxième petit niveau. Espoir perdu, la reine des dryades, ouais, c'est ça. Je crois que c'était la reine des dryades, sans doute. Et de toutes les autres espèces d'insectes, là, c'était les dryades. Caramoun... Et pendant tout jeu, on passe notre temps à poursuivre l'espèce de fantôme qu'on a blessé là au début, là, l'espèce de spectre. Vestiaire soldat dryade, ouais, c'était ça. Troglodyte. Sentinelle dryade. Garde dryade. Reine dryade. Vestiaire titan. Monde du royaume dryade, ok. Du coup, peut-être que le thème dont je vous parlais dans ma première partie, là, le thème Shadow of the Beast pour PS4, peut-être qu'il est débloquable dans le jeu, comme une récompense, j'en sais rien. Mais puisque j'ai l'impression qu'on débloque des trucs en avançant dans le jeu. Peut-être. Et j'ai pas vu non plus le jeu d'origine qui est censé être vendu avec, terminé à 65%. Les marais... putrescent. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça fait 40 minutes, une deuxième partie un peu plus longue. Donc de toute façon, je dois arrêter. Est-ce que je continue encore une troisième partie? Parce que mine de rien, on finit par... Je reste sur l'idée que c'est pas mon kiff, hein, mais on finit par... par se prendre au truc. Tout simplement. Voilà, sans se prendre la tête, donc je sais pas si je ferai une troisième partie ou pas, hein. Au pif, au moment où je vous parle, c'est juste que je faut pas que je me lance dans un truc trop long non plus, parce que il faut que je finisse de vous uploader les deux dernières vidéos de l'Odyssée Fallout 4 que je vais vous faire la dernière fois. Il faut que je vous prépare ma vidéo... où je vous donne mes attentes pour le 3, donc il faut pas que je me lance dans 36 projets non plus. C'est tout ce qu'il y avait de prévu pour les 15 prochains jours, là, avant le 3, même les 10 prochains jours, hein, parce que le 3 ça commence le 12, donc faut pas que je m'avance de trop. Ouais, le temps de faire les vidéos, de les uploader, peut-être une troisième, mais on n'ira pas plus loin. Allez, à plus.